Je vais faire du hardcore. Je vais faire du... Je vais faire du son. Du hardcore qui tape. Je vais faire du... Oui, je vais faire du hardcore. C'est ça que je vais faire. Je vais faire... D'abord, je vais commencer par travailler la saturation. Saturax. Vous êtes prêts? Are you ready? Salut les Space Invaders, j'espère que vous allez bien, c'est l'émission 151, nous sommes en direct, il est 21h05. Et alors, petite pensée, même grosse pensée, et là je redeviens sérieux, pour Vangelis qui nous a quittés, je crois aujourd'hui, à l'âge de 79 ans, qui était un de mes compositeurs préférés. Vangelis qui avait composé Blade Runner, Les Chariots de Feu, un compositeur grec qui avait démocratiser beaucoup la musique électronique. Et voilà, c'est une triste disparition, il faut bien le dire. Donc j'aimerais consacrer cette émission 151 et la dédier à Vangelis, dont le nom était Evangelos Odysseas Papatanassiou. Voilà. Cette émission lui est consacrée. On va parler de plein de choses ensemble. J'aimerais déjà, dans un présent, vous dire ce qu'on va faire en deuxième partie. On va faire du hardcore, on va faire de la saturation. Non, en deuxième partie de l'émission, je vais vous présenter une chose essentielle. Vous avez été nombreux à me poser la question. On va parler mastering.
Et on va parler mastering, je vais vous montrer l'utilisation de plusieurs plugins et je vais vous montrer comment je vais faire le mastering de Street Sound, donc la version remasterisée, donc ce qu'on appelle la rework. Je vais vous montrer ça un petit peu, la session originale, donc bien sûr que vous voyez ici. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour masteriser et quels outils j'utilise pour me permettre d'avoir un son définitif, un son master. So mastering, deuxième partie. Et puis, bien évidemment, avant, nous allons parler de deux concours qu'on a lancés il y a quelques semaines et qui ont été clôturés il y a quelques heures. Et pour cela, j'appelle à la rescousse, allô, allô, Mr. Philippe. Salut Joachim. Bienvenue à bord. Salut tout le monde, merci. Salut tout le monde. Alors donc, déjà, faites des cœurs pour Vangelis et aussi pour Philippe. Voilà, ah oui. Faites des cœurs pour Conquest of Paradise de Vangelis. C'est vrai que c'était joli ça. Ah ouais. Bon, alors, on parle de bonnes nouvelles. D'abord, il fait beau sur la France. Allez. J'ai cru comprendre qu'il faisait hyper bon, hyper chaud et même trop chaud. Alors, un peu. Arrêtez de vous plaindre. Hein. Quand il pleut trop. Et quand il fait non, chaud, non, mais il fait c'est trop ça. Chaud. Hein. Bon, donc, alors, on est là pour parler de deux. Ouais, on est là pour parler de deux choses. On va démarrer par le concours de remix. Alors, concours de remix, petite piqûre de rappel. It's been crazy. Ça, c'est le titre de Myriam Love qui s'appelle The Weeknd. Et sachez que on a mis en place un concours de remix. Et ce concours de remix, il a démarré il y a quelques semaines. Attends, pourquoi je te vois pas? Attends, je te vois quand tout petit. On voit l'image de. On voit que ton haut. Du clip. Ouais, je sais, non, mais je voulais te voir. Regarde, voilà. On voit que mes cheveux. Voilà, ah. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, je voulais te voir. Voilà. Donc voilà. Donc alors, ce clip, on voit donc le clip, vous voyez actuellement, Myriam Love de Weeknd, et donc on a lancé un concours de remix, il fallait donc aller télécharger les tracks et puis nous poster tout ça. Alors, monsieur Philippe, qu'est-ce que ça donne sur ce concours de remix? Est-ce que on a récupéré quelques tracks, tu as eu en plus le temps d'écouter, hein, c'est ça hein. Hein ouais, j'ai eu le temps d'écouter, ouais, ça s'est bien passé parce que c'est vrai que le temps était quand même assez court pour le semaines. Coup. Ouais. Voilà, c'est ça, donc c'est quand même pas mal, on en a reçu une cinquantaine. Et oui, j'ai eu le temps d'écouter. Alors, on va écouter tout ça. On va écouter tous. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, déjà, attends, j'en profite pour dire que si jamais vous voulez participer en direct à l'émission, allez sur joachimgarreau.com/discord et vous pourrez retrouver cette bande d'allumés que je dis, auquel je dis bonjour, salut tout le monde. Voilà, je viendrai vous donner la parole tout à l'heure. En tout cas, si vous voulez prendre la parole, joachimgarreau.com/discord. OK, je reviens donc au remix. Donc, il y a une cinquantaine de remix qui sont arrivés, plein de styles différents. Oui. Comment ça va être noté? Alors, c'est assez simple. On a un tableau Excel, enfin un Google partagé avec trois colonnes. Une colonne Philippe, une colonne Julien, une colonne Joachim. Et on écoute tous. Et puis, on a une espèce de... on note de 1 à 20 ou de 1 à 10. Non, on a fait 20 à 10. On est parti sur 10 là. Enfin, ouais, donc, en tout cas, Julien et moi, on est parti sur 10. Donc on fait de 1 à 10. Voilà. D'accord. Okay. Donc on fait de 1 à 10, on écoute et puis on donne une note pour chaque remix. Et puis à chaque fois, on essaie de mettre un petit commentaire en expliquant pourquoi cette note, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Alors bien souvent, ce sont des commentaires qui expliquent un peu pourquoi vous avez perdu des points et pourquoi ce n'est pas un 10 sur 10, quoi. Et donc, bien souvent, on vous parle un petit peu du calage, de la voix. J'espère que vous avez bien fait attention à ça, parce que je vous ai vraiment insisté. Et puis, on parle de l'originalité, et puis de la réalisation, de la production et du mastering. Mastering qu'on verra donc en deuxième partie de cette émission. Et donc, voilà. Donc, résultat, la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on a une semaine, nous, là, pour tout écouter. Et donc, jeudi prochain, on dévoilera en direct les gagnants du concours de remix. Et puis, on fera un petit peu ce qu'on avait fait un peu la dernière fois. C'est-à-dire on remontera par le bas du tableau. Ouais. Et puis après, on donnera un peu plus d'explications, même quitte à écouter quelques extraits des gagnants et expliquer notre choix. Moi, je voulais dire une chose importante, c'est que depuis que j'ai lancé ces concours de remix il y a 5-6 ans, le niveau a énormément progressé et ces deux dernières années, c'est juste très très bon. On a vraiment des gens qui deviennent carrément des professionnels de la production. Ouais, c'est vrai. Donc, et puis on a des débutants aussi qu'on n'avait jamais eu avant qui là proposent quelque chose qui est tout de suite correct, quoi. Alors c'est vrai que
Bon, ils ont un peu plus de marge de progression, mais moi j'ai vu plein de noms là qu'on n'avait jamais vu avant. Ouais. Bon, dont certains qui débarquent d'un autre concours dont on va parler juste après. Voilà. Et mais c'est Et des jeunes, quoi, c'est bien. on voit que c'est débutant parce que c'est un peu fragile sur certaines choses, parce qu'il manque certains éléments, mais enfin, on voit que les personnes en question ont quand même suivi tes conseils et suivi tes émissions parce que enfin, c'est pas un niveau de débutant, Non, quoi. non, c'est Tu vrai, c'est vois, vrai. tout de suite, c'est pas un niveau débutant. Je vais poser une question aux gens qui sont sur le Discord. Est-ce qu'il y en a qui ont participé au concours de remix? Levez la main. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Ah 7, pardon, 8, putain, j'avais 8, enlevé 9. ma Ah bah caméra, elle a alors. bugué, je crois. Mais pas ton micro, par contre, on l'a bien Oh entendu. pardon. Oh pardon, excusez-moi. Alors, mesdames et 30 minutes messieurs, avant. je vous présente Lestro qui gère le Discord. Le micro, pas bien, Quelquefois, il a pas des bien. problèmes avec le micro et les caméras, Et les caméras. mais il s'en sort pas mal. Je me Bon. débrouille, je me Tu te débrouille. débrouilles. On va justement parler tout à l'heure, dans quelques instants, du deuxième concours dans lequel on va mettre Discord et dans lequel Lestrou va justement nous expliquer un peu comment on va mettre en place le deuxième concours. Alors, concours de remix, vous avez compris, c'était donc le week-end. Deuxième concours, je vous montre une petite. Voilà, deuxième concours, c'est un concours qui a été lancé avec des partenaires Electric Park, Woodbrass, et donc c'est un concours qui permet de gagner votre possibilité de venir jouer sur scène d'Electric Park le 3 septembre, mais aussi C'est de deux week-ends de récupérer, septembre, ouais, voilà, durant le 3 et le 4 septembre. Et donc, c'est ça. du coup, on a mis en place ce concours qui vous permet. Je vais vous montrer le petit film vidéo qui montre un petit peu ce que vous Ok. pouviez, enfin, ce que vous allez pouvoir gagner et la façon dont va se dérouler ce concours, parce que ce concours ne fait que débuter. Voilà, regardez. Joachim Garraud et Woodbrass présentent Discord DJ Contest. Grand concours DJ en juin sur Discord. Participe chaque jeudi du mois de juin à un concours de mix en direct sur Discord. Ouvert à tous. Gagne des cadeaux exceptionnels. Quatrième prix, HD25 Sennheiser. Troisième prix, S2 MK3 Native Instrument. Deuxième prix, LS4FX Newmark DJ. Et premier prix, Pringo Denon. Et ta place sur la scène d'Electric Park le samedi 3 septembre. Plus d'infos sur joachimgarraud.com/Discord. DJ Contest. DJ Contest. Avec Joachim Garraud, Electric Park et Woodbrass. En direct au mois de juin sur Discord. Alors, ça va se passer sur Discord. Et pour cela, je vais demander à Lestro de rentrer dans la danse. Alors techniquement, comment ça se passe, Lestro? Est-ce que tu peux expliquer un peu comment vont participer les gens que nous allons sélectionner? Et après, on va expliquer avec Philippe un peu comment on fait la sélection. Voilà. Alors déjà, pour la sélection, surtout, c'est Joachim et Cobb Voilà. qui gèrent, on va dire, voilà, tout le côté sélection. Donc il va voir huit Moi, ensuite, sélectionnés. On va commencer avec huit sélectionnés. Alors comment voilà. ça se Moi passe? ensuite, ce que je vais faire, c'est que tous ces gens, ce qui serait pas mal, c'est que qu'ils viennent sur le Discord, bien évidemment, pour pouvoir un peu checker tout ce qu'il y a comme matériel, parce qu'il y en a, ils ont différentes platines, différents moyens de pouvoir. Carl, t'as un petit mais retour. De différents moyens de pouvoir passer le son. Ouais. Donc en fait, soit le mieux, c'est d'avoir une carte son, bien évidemment, externe. Je sais qu'il y a des platines qui le font, qui font déjà carte son, et ça permet justement d'envoyer directement dans la ligne du micro pour pouvoir avoir une sortie audio. parce qu'il faut que tu expliques Et quelque chose, excuse-moi de t'interrompre, Lesro, c'est que oui. le concours va être en direct sur Discord. C'est-à-dire que pour Et oui. participer, il faut aller sur joachimgarraud.com/Discord. Et c'est à partir du moment où vous serez connecté sur Discord qu'on va vous relayer, un petit peu comme on est en train de le faire en direct. Et on C'est sera ça, donc en exactement. direct, sauf que vous allez être chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, où vous voulez. Et vous allez donc faire un mix. Donc On peut appeler techniquement, ça le festival virtuel, quoi, vraiment. voilà, c'est chacun chez soi, mais c'est du direct. Et donc, vous avez une caméra qui va être braquée sur vous et qui va donc, comme Lestro est en train de le faire, voilà, en direct pendant 10 minutes. Et alors, on va parler avec. Donc, tu as bien expliqué l'histoire des cartes son. Globalement, les gens qui vont être sélectionnés, vous allez pouvoir. Alors, la semaine prochaine, vous aurez la sélection, bien évidemment. On va vous donner la sélection. Les sélectionnés seront annoncés la semaine prochaine. Et après, vous aurez une semaine pour vous mettre en relation avec l'Estro pour faire un petit test. Et puis, voilà. Et après, vous serez en direct. Alors, qu'est-ce qui va C'est se ça. passer avec le direct? Et donc, là, pour le direct, c'est assez simple. Une fois qu'on a fait la sélection avec Philippe, la semaine prochaine, on vous annonce les huit sélectionnés. Les huit C'est ça. sélectionnés vont s'affronter
lors d'épreuves en direct qui vont donc démarrer dans 2 semaines. Et donc dans 2 semaines, le premier jeudi du mois de juin, vous allez vous retrouver en direct à 21h. Les 8 personnes vont donc mixer pendant 10 minutes, les unes derrière les autres. Et la spécificité, c'est qu'elles vont connaître les titres qu'elles vont pouvoir utiliser, puisque je vous rappelle que ce n'est pas une programmation libre, mais c'est une programmation imposée. On fait vraiment un concours de DJ qui est plus de la technique que de gérer le fait que vous vous détachez des autres parce que vous choisissez des titres différents des uns des autres. Non, tout le monde va mixer les mêmes titres. On va vous mettre à disposition 10 pistes audio. Il va falloir en choisir 6 sur les 10 et il va falloir donc diffuser 6 titres, enfin 6 pistes audio parce qu'il y a des acapellas, en 10 minutes. Et donc, vous devez faire un mix qui dure 10 minutes, pas plus, pas moins. Bon, à 30 secondes près, hein, bien évidemment. Oui. Et donc, une heure avant, vous allez recevoir un lien. Et ce lien va vous permettre de télécharger les 10 pistes audio. Vous les mettez dans votre tractor, dans votre record box, sur votre clé USB, comme vous voulez. Et au bout d'une heure, vous êtes en direct sur le Discord. Et Lestro, Philippe et moi, eh bien, on fait les juges. On juge la prestation. Ouais. Voilà, juge en direct, on juge en direct et on regarde un petit peu comment ça se passe. Et c'est un concours qui est assez compliqué, hein, il faut bien le dire, parce que d'abord, c'est en direct, vous avez la pression, et puis vous avez seulement une heure pour vous préparer. C'est-à-dire que si on vous met des titres de hardcore, des titres de hardcore Si on vous met des titres de hardcore, je le ferai pas. Non mais si on vous... Non mais voilà, si on vous mettra un style différent que vous ne connaissez peut-être pas, mais il faudra donc le mixer comme si c'était comme si vous jouiez dans un club que vous ne connaissez pas, et on vous dit voilà, aujourd'hui c'est soirée techno. Du vrai boulot de DJ quoi. Voilà. Du vrai boulot de DJ. Alors une question qui vient de paraître là, ça va hyper vite dans le chat. On dit est-ce que vous avez reçu beaucoup de mix pour Electric Park pour le concours? Alors. On en a reçu un peu comme pour les remix et comme on a redonné une semaine de plus là, ça a bien joué le jeu. Il y en a même certains qui n'étaient pas complètement satisfaits de leur mix qui l'ont reproposé, donc c'est cool, ça a bien réagi la deuxième semaine, enfin la dernière semaine qu'on a rajouté, c'était cool. Donc on a reçu à peu près une cinquantaine, donc sur les 50 qui ont participé, on va en déterminer 8 qui vont s'affronter donc jeudi prochain. Ensuite on aura une semaine de break parce que le 16 juin je ne pourrai pas faire l'émission en direct puisque je serai dans l'avion pour aller faire un concert à New York, et donc du coup je ne serai pas disponible en direct, et donc ça tombe bien parce qu'on avait besoin de 3 slots de 3 jeudis, donc le jeudi d'après eh bien on va retrouver 4, et puis le dernier jeudi du mois de juin eh bien on fera donc la finale, c'est ça hein? Non, attends, comment alors, ça se passe? Alors, si, on peut dans ce cas-là commencer le 9, c'est comme tu veux. C'est-à-dire que soit on commence le 9, on fait la pause et on fait 23-30. Attends, on a besoin de combien de sessions? De 3. On a besoin de 3 jeudis. Et il y en a 5 en juin, en fait. Parce qu'on est de 8, on passe de 8 à 4 tout de suite? Oui. Mais alors après, on passe de 4 à 4, mais... De 4 à 2, et après on fait la petite finale et grande finale la semaine d'après. Voilà, c'est ça. Les 4 qui gagnent en fait le premier tour vont rejouer 2 fois quoi qu'il arrive, mais pas pour pour la même chose. Quoi. Ok. Bon, très bien. Bon, vous avez compris un peu comment ça se passe. Alors, écoutez, De toute façon, il n'y a pas de préparation. Hein, donc, qu'on décide en fonction de l'agenda de Joachim, si on commence le 2 ou le 9, en fait, on fera en fonction de ton agenda, on donnera l'info aux gens la semaine prochaine. Mais soit on commence le 2 et on fait 9 et 23, soit on commence le 9 et on fait 23 et 30. Voilà, parce que le 16, Joachim n'est pas dispo. Voilà. DJ Marfly qui dit dans le chat, en tant qu'ancien gagnant d'un warm-up Electric Park, je peux vous dire que j'ai passé une superbe journée. Eh oui. Ah bah donc, tu m'étonnes. Bien sûr, vous allez passer une bonne journée. Donc c'est pour ça que vous avez bien fait de vous inscrire au concours, vous avez bien fait d'envoyer vos vidéos. Et puis la semaine prochaine, ça sera donc les résultats, les 8 présélectionnés les 8 sélectionnés qui vont donc démarrer le concours et qui vont mixer en direct. Je ne sais pas, on n'a pas posé la question quand les gens se sont inscrits au concours de nous dire s'ils mixaient sur Recordbox, sur Traktor ou sur clé USB, mais
Tout est réalisable. Ouais. À partir du moment où vous êtes à l'aise hein, et qu'on vous envoie un fichier audio et que vous récupérez les fichiers audio, que vous les mettez dans votre playlist. L'année dernière, parce qu'on a déjà fait ce type de concours en décembre l'année dernière, on avait eu pas mal de gens qui étaient sur... Recordbox. Et puis on avait eu des gens qui étaient carrément sur clé USB, donc voilà, tout est... On a Traktor et Recordbox, c'est un peu les deux leaders, j'ai l'impression. Nous, de ce qu'on a eu l'année dernière, c'était un peu les deux qui tenaient la corde. Voilà. Il y avait un peu moins de Serato quand même. Ouais, alors les gagnants ont été le groupe French Candy qui, eux, mixaient sur CDJ 2000, je crois, et puis sur DJM 900. Hein, voilà, en direct, ouais. C'est ça, exactement. Et voilà, eux, ils ne passaient pas via un ordinateur. Enfin bon, bref, c'est comme vous voulez, et ça démarre jeudi prochain, et puis c'est... Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et ben, tiens, j'ai envie de faire intervenir une personne qui a participé, qui a fini quatrième dans le concours, qui est Marine. Marine, j'ai vu que tu avais reparticipé au concours. Donc, écoute, j'espère que tu seras présélectionnée cette fois-ci, que tu auras plus de chances pour aller jusqu'au bout. On se souvient d'une sacrée pression à gérer en direct. Hein. Tu me confirmes ça hein. Ouais, c'est super dur parce que le délai est très court. Ouais. Donc c'est vrai qu'une heure pour préparer, quand on ne connaît pas les morceaux, puis on a le stress en plus, donc on a l'impression qu'une heure passe en 10 minutes. Donc c'est vraiment pas évident, mais ça vaut le coup, quoi. Franchement, c'était top. Ouais. Ok, ah, je vois qu'il y a Fab qui dit pas de bug de queue cette fois-ci. Je vois qu'il y en a qui ont suivi l'émission du mois de décembre. Ah oui, alors il y en a qui ont suivi. Alors, c'est pour vous expliquer pourquoi, malheureusement, Marine a fini quatrième. C'est qu'il y a eu un petit problème technique sur un queue et ça a été fatal. Parce que quand c'est en direct, on ne peut pas le refaire. Non, je ne peux pas le refaire. Mais enfin, en tout cas... Bon, okay, ça a glissé, chef. C'est à cause de ça, pour le coup, en plus. Ouais. Ah ouais, ça avait glissé, ben voilà, bon écoute. Bon, en tout cas, Marine, j'espère que tu feras partie des présélectionnés. Et puis, ben, on voit ça la semaine prochaine en direct jeudi. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé au précédent concours. Et je dis ça d'autant plus que tu sais qu'on manque de filles et que voilà. Hein, que... Ben là, c'est pire hein, d'ailleurs, hein, si tu veux qu'on fasse un petit mot là-dessus. Là, cette fois-ci, c'est pire. Ah ouais, alors bien, aussi bien sur le concours, aussi bien sur le concours DJ que sur les remix, là, on a un pourcentage de filles qui est... Ouais, famélique quoi. Ouais. Voilà, 1%. Vraiment, c'est dommage quoi. Voilà, c'est dommage, c'est vrai. Bon. C'est cool d'avoir des filles. Ben ouais. Bon, écoute, en tout cas, bon, bah, alors résultat jeudi prochain, ouais. Et on fera donc on vous montrera les présélectionnés qui vont donc s'affronter après tous les jeudis. Et voilà, je réponds à une question qui était au festival, est-ce qu'on peut venir avec notre matos? C'est Francky qui pose la question. Alors, je ne sais pas avec quel matériel tu veux venir. Si tu veux venir avec tes CDJ 2000, ce n'est pas la peine, on en a un paquet. Par contre, je ne sais pas, c'est-à-dire quand tu dis avec ton matos, c'est-à-dire qu'est-ce que tu viens avec ton ordinateur? Une toile de tente? Non, mais je ne sais pas, c'est quoi la question en fait? Quand... Non, mais c'est-à-dire qu'il vient avec son matériel, tu viens avec ta clé USB? Oui, tu viens... Mais est-ce que tu dois venir avec ta régie? Non, on fournit les festivals fournissent les régies et à l'Electric Park, on a ce qu'il faut. Donc non, tu viens juste avec ta musique. Et puis alors attention, pour Electric Park, le gagnant, il va pouvoir jouer ce qu'il veut. Hein, c'est pas une playlist qui est imposée. Hein. Bah oui, oui, c'est vrai que c'est important de juste, le dire. Juste... Alors si tu veux pas foutre la pression, on précise quand même que donc et je pense que tu as raison, c'est le fond de la question. La personne va jouer sur les mêmes platines que toi. Que Martin Solveig, voilà, que tout le monde, les mecs qui vont jouer sur la même stage. Hein. Voilà, exactement. Parce que, voilà. Et voilà, ça va, vous n'avez pas la pression, c'est cool. Ouais, c'est bien, non, c'est bien, vous avez raison, il faut mettre une petite pression, c'est quand même sympa. Ok, bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Philippe, du temps que tu avais voulu consacrer. Et puis donc, rendez-vous jeudi prochain, 21h, voilà. Et cette fois-ci, on aura donc deux résultats de concours à annoncer et je pense que ça va faire plaisir. C'est cool. Ok. Bon, merci en tout cas. Et puis, à plus tard, je vais commencer à parler un petit peu de mastering, puisqu'il y a le concours Street Sound. On n'a pas arrêté de faire des concours ces derniers mois. Non, c'est clair. Et le Street Sound, justement, je vais vous montrer un petit peu comment je vais finaliser un peu ma version de Rework. Et je vais aussi vous montrer deux remixes qui sont arrivés de deux producteurs très connus. Je vais vous faire écouter un peu des extraits, justement. Voilà. Cool. Salut Philippe, à bientôt. Salut Joachim, salut tout le monde. Allez, bye ciao. Bye. Salut.
Je vous rappelle que si jamais vous voulez participer en direct et vous poser des questions sur le mastering, par exemple, parce que ça peut être une bonne possibilité, vous pouvez aller sur joachimgarou.com/discord. Vous allez vous retrouver dans une petite fenêtre comme ça, voilà, avec d'autres personnes qui sont passionnées de production. Et ça me donne l'occasion de vous répondre en direct à vos questions. Alors là, on va faire des questions qui sont spécifiques, comme je vous l'ai dit, au mastering. Pourquoi ? Parce que va sortir, alors je pense c'est à la rentrée, hein, septembre, hein, pas avant septembre en tout cas, un vinyle collector de Street Sound. Street Sound, c'est un titre que j'ai sorti il y a 15 ans. Et à l'occasion des 15 ans de ce titre-là, eh bien, j'ai lancé un concours de remix. On a eu beaucoup de participants. Et on a sélectionné des gagnants. Ces gagnants-là vont se retrouver sur un vinyle avec plusieurs versions. Et dans cette version de vinyle, eh bien, là, il y a la version originale qu'on appelle un rework. Alors, rework, je l'ai fait ici dans mon studio, ici. Ouais. J'ai principalement utilisé, j'ai repris un peu de son, tiens, justement du Moog là pour la basse que j'ai refaite avec le Moog. Mais sinon, d'une façon générale, un rework, c'est vous reprenez les pistes d'origine et puis vous les remettez au goût du jour. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quoi. Alors regardez comment ça se passe. Auparavant, je voulais faire un petit point technique. Pour vous parler d'une escroquerie. Vous savez, il y a 3 semaines, je vous ai montré un petit disque dur en disant oh, « c'est génial, c'est révolutionnaire, un disque dur qui est grand comme ça là, et qui fait 16 téraoctets. » Mais alors par contre, il est super lent. Hein. Vous vous rappelez, je vous ai montré ces petits trucs-là qui valaient 32 euros, je crois. Donc pour 16 Tera, 32 euros, c'était un truc incroyable. Sauf que, effectivement, quand j'ai commencé à faire des transferts dessus, ça mettait 1700 jours pour transférer quelques Tera. Donc là, ce disque dur, sur lequel il y a marqué SSD quand même, hein, vous voyez, il y a marqué SSD, Portable SSD, 16 Tera octets dans ça. Quand je vous ai montré qu'un disque dur de 8 Tera octets, c'est gros comme un petit grille-pain, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On s'est dit, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit, c'est incroyable. Bon, voilà. Alors, je me suis fait rembourser. Hein. Je vous le dis tout de suite, je me suis fait rembourser. Pourquoi ? Parce qu'en en fin de compte, il n'y a pas 16 Tera là-dedans. C'est une escroquerie. Et surtout, c'est une clé USB. Voilà. Alors, donc, on va aller retrouver notre partenaire technique qui... sur mes conseils, on a acheté un. Il est sur le Discord. Je vois qu'il est Lolo. Il dit, vas-y. Je vois qu'il y a Laurent. Alors, Laurent, t'es où ? Ouais, je suis dans la salle. Je suis aussi dans la salle. Caché. Il est caché, faut que tu le trouves. Ah ouais, mais Laurent, ouais. Voilà, ouais. Laurent, oui. T'es beaucoup trop petit, on va pas te voir dans cette salle. Ah ouais, mais c'est pas grave. C'est Festival de Cannes, c'est ça ? Voilà, je suis au Festival de Cannes. Donc j'ai bien reçu le même disque dur que toi. Le fameux. Bon, par contre, le mien, il est ouvert. Oui, et t'as vu ce qu'il y avait dedans ? Bah, une micro SD de 64 gigas. Voilà, exactement. Micro SD 64 gigas vendu pour 64 gigas. Alors. J'ai fouillé un peu plus hein, sur comment ça fonctionne. Donc, en fin de compte, dessus, il y a un contrôleur USB qui est flashable. Donc, tu lui dis la taille que tu veux. Voilà, tu dis 16 Tera. Voilà. Et donc, tu lui dis 16 Tera et tu mets une carte USB de 1 giga. Et puis, le truc, il fait 16 Tera. Voilà. Ça explique que quand vous le branchez, il y a 16 Tera qui monte, mais qu'effectivement, on peut utiliser que 64. Alors, par contre, j'ai pas du tout les mêmes débits que toi. Hein. Ah oui? Quoi, t'as des bons débits ou t'as des mauvais débits? Non, je suis bien mieux, entre 15 et 20 mégas par seconde. Ah oui. Bon, écoute. Bon, c'est pas folichon, hein, c'est clair, mais en tout cas, je me suis fait rembourser aussi. Hein. Ben voilà, je l'ai gardé aussi. Voilà. Voilà. Bah, tu me feras une signature. Ça nous fait une petite clé 64 gigas gratos. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, merci de ton témoignage. Bah, merci à toi de nous avoir... Bah, en tout cas, tout le monde, commandez-le, faites-vous rembourser. Voilà, alors la bonne technique, c'est vous l'achetez
Et puis vous le remboursez, et puis vous aurez donc une petite clé de 64 gigas. Voilà. Voilà. Voilà, et puis un câble. Juste un petit conseil que je te donne quand même la prochaine fois. Non, mais mets-toi en grandeur nature, parce que là, bon, évidemment, tu frimes parce que tu te dis, tu te mets un peu dans un beau background. Mais par contre, on voit absolument rien. T'es comme une. Je te dis qu'il y a des gens qui regardent sur leur téléphone. C'est-à-dire, t'es grand comme une mouche. Tu vois ? Eh ben voilà, je suis une mouche. Là. Laurent, la mouche. Bon, ok, merci en tout cas d'avoir participé à l'escroquerie. Et puis, ben, voilà. N'hésitez pas donc à acheter le vôtre gratos et à vous faire rembourser surtout. Hein. Voilà. Merci l'escro de couper les micros. Il y a un bazar aujourd'hui dans le Discord. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez. On va aller faire un petit tour, maintenant qu'on a parlé de ce super disque dur. Oh bah il va marcher beaucoup moins bien. Super disque dur. On va parler maintenant de mastering. Alors, mastering, c'est sérieux. Là, on revient sérieux, hein, sérieux. Alors, mastering, c'est la mastering de la session du rework de Street Sound. Laissez-moi un peu vous montrer. Là, je mute tous mes outils de mastering et je vais vous faire écouter où j'en suis. Alors déjà, il faut que je vous fasse écouter la bonne version, parce que là, je suis en train de vous faire écouter. Voilà. Voilà, alors donc, vous voyez où j'en suis, c'est très sourd. Hein, c'est un pied qui est énorme, qui est très fort, et puis c'est très sourd. Alors j'avance un peu dans le morceau. Alors, j'ai pas de niveau. Alors, ça, c'est fait exprès. Alors, premier conseil. Quand vous produisez, faites attention à vos niveaux. Laissez-vous un max de ce qu'on appelle d'espace, de headroom. C'est-à-dire que pour chaque piste, par exemple, là, vous voyez, j'ai ma piste de pied qui est ici. Vous voyez déjà que ma piste de pied, elle est limite. Voilà, elle est dans le vert. Mais à aucun moment, il faut monter plus haut que ça. C'est-à-dire que, par exemple, une autre piste qui est, par exemple, ma gimmick ici, en rose, là, vous voyez. On l'écoute en solo, piste 10. Vous voyez, je suis à moins 16 dB ici. Je laisse énormément de place. Et c'est fait exprès parce que, justement, le mastering va vous permettre de améliorer le son général et aussi d'améliorer la dynamique et le volume électrique. Mais si jamais vous êtes très fort, vous ne pourrez rien faire. Donc, laissez un maximum de place. Et donc, pour cela, je vous invite, quand vous mixez, alors, quelle que soit votre plateforme, que ce soit du Logic, que ce soit du FL Studio, voilà, ou du Cubase, ou du Live. Vous voyez, là, par exemple, j'ai des curseurs qui sont à moins 24 dB, vous voyez. Je fais exprès de laisser, justement, un maximum de place. Je vais répondre à ta question, DJ Markfly, qui dit « Qu'est-ce que je pense des sites de mastering où on envoie son titre et on reçoit le mastering ?» Ben, quelquefois, c'est bien fait, quelquefois, c'est moins bien fait, mais là, je vais vous montrer aujourd'hui comment on le fait soi-même. Après, il y a sûrement des sites internet qui le font très, très bien. J'ai vu qu'il y avait même des sites automatiques qui le faisaient via des machines. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous envoyez votre titre et ça vous le renvoie immédiatement en 10 minutes. Et le truc est masterisé. Je n'ai pas essayé. S'il y en a qui ont essayé, parlez-moi là, témoignez un peu dans le chat ou même mieux, si jamais vous êtes sur Discord, je vous interrogerai là-dessus. Moi, je n'ai jamais fait appel à des sites comme ça, mais si jamais vous avez essayé, eh bien, faites-moi part de votre expérience. Alors, première chose, donc, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait une seule piste ici qui tape dans le rouge. Hein. Il faut vraiment avoir très peu de niveau. Voilà, on dit qu'il y en a qui ont contesté. On dit que c'est pas si mal. Bon. Moi, je préférais qu'on dise que c'est super, vous voyez. Alors donc, là, j'ai beaucoup de pieds, j'ai fait exprès, vous allez voir pourquoi. Alors déjà, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que dans mon mix, j'ai fait un groupe ici que je vais remettre en rouge pour que vous voyez bien ici, un groupe qui est le groupe 6 ici, là, que je vais renommer « Musique ». Alors, dans ce groupe-là, j'ai mis toutes les choses sur lesquelles j'ai envie d'appliquer un sidechain spécifique, vous voyez ? Donc, si j'écoute en...
en solo. J'ai donc sorti le pied, j'ai sorti la percussion. Toutes les choses sur lesquelles je veux que le sidechain s'applique, je l'ai mis dans ce groupe-là. Voilà. Et donc, si je mute ça, j'ai gardé toutes ces choses-là qui n'iront pas dans le sidechain. Hein, c'est-à-dire ma percu, mon pied et la petite percussion. Voilà. Alors déjà, dans un premier temps, on pouvait déjà mixer. Hein, c'est-à-dire que là, je pourrais baisser un petit peu le pied, remonter un petit peu mes pistes de musique, rééquilibrer un petit peu tout ça. Et puis maintenant, je vais aller sur la partie master, parce que c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'utilise plusieurs choses. Je me suis fait ici un rack. Et dans ce rack-là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. J'utilise 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Le premier élément, c'est un simulateur d'analogue sound qui s'appelle le Black Box Analog Design de chez Plugin Alliance. Alors, donc là c'est 100, et là je vais le mettre en place. 5, 6, 7, 8. Alors ça grossit un petit peu le son. Attendez, je vais baisser un petit peu le niveau pour que vous puissiez bien entendre la voix par-dessus, voilà. Donc ça grossit un petit peu le son. Vous avez la possibilité de jouer sur rajouter de la saturation et puis faire un espèce de simulation d'ampli à lampe. Écoutez un petit peu ce que ça donne. Alors là, je vais pousser pour que vous entendiez un petit peu volontairement. Hein. Saturation, par exemple. Donc là, j'ai une saturation qui est à 20%. Là, je la monte. Vous entendez un peu, ça fait une espèce de précision dans les hauts médiums. Vous entendez mieux la Charlet, par exemple. Hein. Et puis, vous avez ici Pencode qui envoie dans les lampes, enfin la simulation des lampes. Fait exprès, donc vous êtes en saturation et vous pouvez choisir ici si vous travaillez sur les fréquences graves plat ou si vous poussez un peu votre égaliseur comme si c'était un peu en forme aiguë. Et puis si vous avez la résultante, c'est plus ou moins fort le volume de sortie, voyez. Et puis l'air, c'est ce qu'on appelle un petit peu la diaphonie dans les extrêmes médium aigu et aigu qui vous donne un peu plus de précision. Voilà, donc ça c'est mon premier plugin qui réchauffe un petit peu le son, qui fait un petit peu un côté analogique et qui gomme un petit peu le côté digital, voilà. À côté de ça, j'ai ici un style limiter, alors je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ça c'est plus quelque chose qui permet de remonter le niveau général et de remonter l'ensemble de ma compression. Donc là il est à zéro, vous voyez. Là, je vais monter. Alors, vous voyez, c'est ici, là, le zéro, là, mon niveau d'entrée. Là, je vais monter. Vous allez voir tout de suite, le niveau va monter. Voilà, donc je sature, mais c'est pour montrer. Alors ça vous permet de booster l'ensemble de votre mix, de le tonifier, je dirais, un peu tonifier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait exprès de faire des réglages un petit peu doux, hein. J'ai pas fait brutal, parce que je vais vous montrer un peu la finalité de tout ça. Troisième plugin, j'utilise un plugin qui est assez sympa, hein, qui s'appelle Standard Clip, qui vous permet de monter artificiellement le niveau. Alors, je vous montre. Donc là, elle est off, je l'active. Alors vous voyez ici les pointes qui montrent que là, on est à 0,0, vous voyez ce que je veux dire, là on est au maximum du volume. Et on va pouvoir monter malgré cela au-dessus du 0, un petit peu, sur les crêtes. C'est ce qu'on appelle le oversampling ou le clip saturator. Donc ça veut dire que vous allez saturer un petit peu l'ensemble pour que le pied, en tout cas l'élément le plus fort, donc là dans ce mix-là c'est le pied, passe un petit peu au-dessus du 0. Alors regardez ce que ça donne. Donc là je suis à 0. Et là, vous allez mettre un pourcentage. Donc, par exemple, si je monte à 50%, vous voyez, là, j'ai monté l'ensemble. J'ai monté de plus de 50% la saturator du pied. Je mets bypass. Vous voyez, ça donne beaucoup plus de présence. Vous avez une présence générale.
Je ne vais pas le faire tout de suite, je vais mettre à 50, je vais régler un petit peu tout ça progressivement. Hein. Et puis, mes deux derniers, alors j'ai le neutron 3 éléments que j'utilise alors principalement ici en égaliseur. Donc là, c'est un égaliseur. Hein. Vous voyez, qui va me permettre d'aller chercher une fréquence, de monter un peu plus aiguë, vous voyez. Et j'ai un transient shaper. Transient shaper vous permet d'accentuer soit les attaques, soit les tenues. Alors, moi, dans mon cas, je voulais avoir une attaque un peu plus sèche. Et donc, du coup, avec ce transient shaper, je vais pousser ici mon attaque pour qu'à chaque fois que j'ai une percussion, qu'elle soit un petit peu plus appuyée. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le sustain, j'ai poussé à 2, ce qui est vraiment rien, vous voyez, parce que c'est des plugins qui vont jusqu'à 15, hein, c'est ça. Voilà, ça va jusqu'à 15. Là, j'ai jusqu'à 2 pour avoir une tenue un petit peu plus importante de chaque percussion. C'est-à-dire que vous avez une tenue un peu plus... Et vous allez ici choisir la courbe, ce qu'on appelle là, ici, là, la courbe de tenue. Alors, qu'est-ce que ça donne si on l'enlève, par exemple? Écoutons, j'enlève donc le neutron, j'enlève l'égaliseur et le transient shaper. Maintenant, je rajoute l'égaliseur. Voilà, vous entendez, c'est plus clair. Hein. Et je vais rajouter le transient shaper. Alors là, vous comprenez, ça tape beaucoup plus, quoi. À chaque fois que vous avez un pied, il est beaucoup plus défini. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, mon dernier plugin que je vais utiliser dans cette chaîne de mastering, c'est un limiteur. Alors, j'utilise le Pro L2 de chez Fafilter. Voilà, qui est ici. Alors, à quoi ça sert? Bah, ça sert juste à ramener votre niveau à zéro. Ah, vous voyez? C'est-à-dire que là, on dépasse quand même beaucoup, vous voyez? Là, il est... Ça me dit que ça redescend de moins 6,7 dB à chaque fois qu'il y a eu une percussion. Et donc, du coup, ça va me permettre de ne pas écréter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter le niveau, mais on va quand même rester à zéro. Parce que quand vous allez soumettre aux plateformes, par exemple, si vous faites un mix pour Spotify ou si vous faites un mix, eh bien, vous allez être obligé de délivrer à moins 12, moins 10 dB. Parce que les plateformes, après, elles remontent le niveau. Hein. Vous savez un peu comment ça marche. Donc, je vous conseille après de descendre le niveau général de ce que vous allez donner quand vous allez faire un master. Par exemple, si vous faites un master pour un vinyle, il va être différent du master pour Spotify, qui devrait être normalement différent du master pour Apple Music ou différent du master pour Beatport, par exemple. C'est des masterings différents parce que le niveau de sortie va être différent. Pour cela, vous allez pouvoir contrôler ici un gain de sortie. Voilà, vous allez ici définir ben, votre gain de sortie de master, il est à zéro pour l'instant. Mais si vous définissez que dire, voilà, moi je veux, je vais délivrer par exemple à Spotify, et Spotify, ils prennent des fichiers entre moins 12 et moins 14 dB. Il faut aller voir sur leur plateforme, ils font des mises à jour. Donc vous mettez un point cible ici en disant, voilà, moi je vais être à moins 12. Et donc là, vous allez donc avoir un mix que vous allez pouvoir envoyer à Spotify qui sera à moins 12. Voilà. Alors, pour là, je remets à zéro. Pourquoi? Parce que là je fais du streaming via mon OBS et je préfère avoir un niveau maximal. Bon, alors, je vous ai montré un petit peu pourquoi j'ai mis ces plugins-là. Maintenant, je vais vous montrer un plugin que je mets en finale, qui est vraiment le dernier plugin de toute ma chaîne master et qui est ce qu'on appelle un AB. Vous savez, je vous en avais parlé il y a 2 ans déjà avec un plugin qui s'appelait Magic AB qui permettait de comparer deux titres, de comparer votre titre avec une référence extérieure. Alors là, j'ai la version qui s'appelle ADPTR qui est chez Plugin Alliance, qui est pour moi le plus abouti des Magic AB. Je vais vous montrer un peu comment j'utilise. Vous avez deux couleurs. Vous avez une couleur bleue et vous avez une couleur jaune. Vous voyez ici, bleu, jaune. Bleu, c'est votre piste. Jaune, c'est votre référence. La référence, vous allez pouvoir la choisir ici entre plusieurs titres.
Donc là, j'ai ramené, par exemple, Gazebo, Acid Rave, On Off de Sarah SD et You Make Astronaut Program. Pourquoi j'ai choisi ces titres-là ? C'est parce que je trouve que ça sonne bien. J'aime bien ces titres-là. Donc, par exemple, on va écouter, je me mets en jaune, on va écouter Astronaut Program. Alors, je fais lecture. On va écouter Gazebo, par exemple. Acid Rave, Cyrus D. Alors vous pouvez choisir l'endroit, hein, de l'endroit où vous voulez, par exemple. Je vais mettre peut-être plus loin là, dans celui-là. Je vais prendre un point ici, là où c'est le plus élevé dans Cyrus D. Cinq, six, sept, huit. Voilà. Je vais faire une boucle. Voilà, donc là j'ai fait une boucle de Sarah SD. Alors oui, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que les titres ont vieilli. Même le mastering a vieilli. Par exemple, Sarah SD, c'est un titre qui date de 10 ans. Et donc vous voyez par exemple que la courbe de Sarah SD, quand vous regardez ne serait-ce que la courbe ici, alors on va regarder après la dynamique ici, parce que ce qui est bien avec ce plugin, c'est que vous pouvez voir plusieurs choses. Mais quand vous regardez déjà rien que la waveform, vous vous rendez compte qu'entre la waveform de On Off qui a 10 ans et par exemple Gazebo, vous voyez, Gazebo est beaucoup plus élevé. On a une course, ce qu'on appelle la course au loudness, loudness war, on est monté déjà. Les styles ne sont pas tout à fait les mêmes, mais pourquoi j'ai choisi ça ? C'est parce que quand vous écoutez, je reviens sur ma piste, mon titre. Alors là on écoute. C'est un peu le même style. J'aimerais bien que ça sonne un peu comme Gazebo, par exemple, comme celui-là. Vous voyez ? Ou j'aimerais bien aussi que ça sonne un peu comme... comme Acid Rave, c'est bien. Vous vous rendez compte que quand je passe de l'un à l'autre, il y a une chute énorme parce que j'ai pas le même volume, j'ai pas la même stéréo, j'ai pas la même EQ. Alors c'est ça justement. Là maintenant, ce genre de plugin va vous servir de référence et vous allez donc corriger trois choses. Le volume. Alors le volume, ça peut être géré par soit la dynamique, soit l'équilibre à l'intérieur de votre mix, soit la compression. Une fois que vous avez réglé ça, vous allez régler aussi l'égalisation. Est-ce que c'est plus ou moins aigu ? Est-ce que je manque de telle fréquence ? Donc là, c'est simple. Vous allez pousser certains éléments, réégaliser certains éléments. Et puis, vous allez regarder votre spectre général. Est-ce que la stéréo est aussi agréable ? Est-ce que votre titre est mono, stéréo ? Alors, ce plugin est assez bien fait pour ça parce que vous allez pouvoir ici voir plusieurs choses. Alors, regardez, je vais vous montrer. Vous avez donc le playback ici. Playback, c'est la forme, la waveform générale. Regarde la waveform, par exemple, de Gazebo. On va pouvoir regarder le spectrum. Alors, spectrum, c'est un oscilloscope, vous voyez. Alors, sur cette courbe-là, vous voyez deux couleurs. Vous avez compris, vous voyez les deux couleurs. Vous voyez la couleur bleue, qui est moi, et la couleur jaune-orange, c'est vrai, j'ai vu la réflexion, Joachim, c'est du orange, pas du jaune, ouais, c'est du marron même, un peu, on ne sait pas très quelle couleur c'est. Bref, la référence est en jaune-orangé et mon titre est en bleu. Donc regardez, quand je fais lecture, vous voyez les deux courbes se superposer. On peut choisir, par exemple, de se dire, je ne veux que, par exemple, que le jaune, ou faire une comparaison comme ça. Alors, vous voyez, par exemple, que je suis assez bien équilibré par rapport à ma référence. Sauf ici, là, vous voyez. Par exemple, alors donc à 621 Hz, lui, il a plus de 621 Hz. Moi, j'en manque. Je manque de 621 Hz. Donc, ça veut dire que je devrais aller dans mon mix. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais revenir ici. Soit, alors, deux choses. Soit vous êtes feignant. Et puis, vous allez aller dans votre chaîne de mastering, c'est-à-dire que vous dites, bon, voilà, allez, il me manque du 621 Hz, je vais aller dans mon égaliseur sur mon master. Hop, ici, et je vais aller faire un point.
621 Hz. Allez hop, je vais mettre ici 621. Voilà. Et je vais faire une petite bosse. Voilà. Et donc là, sur mon master général, eh bien, je vais avoir ma 621 ici. Donc là, je traite l'égalisation, hein, vous avez compris, là, j'ai travaillé l'égalisation. Bon, j'ai quand même un problème de niveau, hein. C'est-à-dire que moi, je me suis fait un raccourci, je ne sais pas si on peut le voir, tiens, ici, regardez, je me suis fait un petit raccourci. Ici, à chaque fois que j'appuie sur ma touche de mon clavier ici, je bascule de ma référence à mon mix, hein, et c'est en automatique. C'est-à-dire que, si vous voyez ici, quand j'appuie, hop, je vais pouvoir ici basculer directement sans avoir mon plugin d'ouvert, et ça c'est très pratique. D'ailleurs, regardez, j'appuie, voilà. Donc ça me permet de me balader un petit peu dans mes plugins. Et je dis, bon, bah voilà, là je manque encore un peu de niveau. Je manque de stéréo, donc je vais commencer à travailler sur la stéréo par exemple, hein. Alors je vais travailler sur la stéréo sur mon final, et puis après je vais aller chercher les éléments, parce que c'est quand même plus efficace quand vous allez faire appliquer un élément d'un plugin sur une piste séparée que sur un master, hein. C'est quand même plus précis. Donc là par exemple je dis qu'est-ce qui manque de stéréo, j'écoute. Alors, le titre est différent, donc c'est difficile de comparer, mais par exemple, la gimmick ici, ça manque un peu de stéréo. Alors, j'ai rajouté ici un petit plugin qui s'appelle Magic Stereo, qui vous permet d'augmenter un petit peu la largeur stéréo de votre signal. On va essayer. Voilà, là, vous l'entendez, là, j'ai changé un peu la stéréo. Voilà, là, je suis beaucoup plus stéréo. Et je vais pouvoir maintenant pousser avec un Ozone Imager, par exemple. Je vais pouvoir ici déterminer une fréquence où je vais pousser ma stéréo. Par exemple, je dis... Voilà, je cherche la fréquence dans laquelle... Alors, c'est assez agréable quand vous poussez, c'est au médium. Là, on va pouvoir pousser la stéréo de cette bande. Là, donc la bande 3, je vais pousser ici ma stéréo. Et vous voyez ici le résultat en bas. C'est-à-dire que si jamais j'étais mono, vous voyez, c'est plus ramassé ici. Et là, stéréo, là j'envoie beaucoup plus large. Donc là, je suis un petit peu plus large sur cet élément-là. On écoute dans le master, dans le mix total. J'écoute par rapport à ma référence. Alors, pour augmenter la stéréo et cette impression d'ouverture, il va falloir ouvrir un petit peu les hauts médiums. Et donc, ça veut dire que, par exemple, sur la gimmick ici, je vais pousser volontairement mes aigus. Il faut que je me mette à un endroit où... c'est bien ouvert. Donc là, je vais rajouter un peu d'aigu. Et alors, comme c'est la bande que j'ai élargie en stéréo, on va augmenter beaucoup la stéréo du coup là. Et on va être plus agréable. Écoutez. Sans, on ne l'entend pas, vous voyez. Alors, moi, je manque aussi un peu de bas médium aussi. C'est quand vous écoutez, on est un peu ramassé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour faire du bas médium, soit il faut que je fasse un point dans ma basse, mais comme la basse, elle est très sourde.
voyez, elle fait comme ça. Donc, soit je vais dans cette basse-là, parce qu'elle est déjà pas mal égalisée, vous voyez un peu ce que ça donne. Ce que je peux faire, c'est que je vais tricher un petit peu. Je vais créer de la diaphonie dans cette basse pour pouvoir aller créer une fréquence supplémentaire. Alors pour ça, il y a plusieurs plugins qui le font. Un de mes plugins préférés qui le fait, c'est sous Live, mais vous allez trouver l'équivalent sous FL Studio ou tout ça. C'est un plugin qui va me faire de la distorsion. Il s'appelle Vinyl Distortion sur Live. Voilà. Et donc, regardez ce qui se passe quand je vais monter ce potard-là. Vous allez avoir la basse qui va passer en stéréo. Regardez, là, on est en mono. Voilà, là, on est en stéréo, vous voyez. Stéréo, si je mute, mono. Et là c'est, je l'ai poussé extrême. Hein. Donc, du coup, je vais pouvoir avoir un petit peu de stéréo avec ça. Bon, après, il ne faut peut-être pas mettre à fond. Hein. Vous pouvez ajuster avec le drive ici. Et je vais écouter ce que ça donne dans la musique, quoi. Voilà, donc là c'est une énorme découverte, c'est un énorme changement parce que vous avez quelque chose qui est dans le bas médium qui n'existait pas avant et puis vous avez de la stéréo là. J'ai mon CPU, il faut que je lui donne un petit peu de souffle là, je pense, là, parce que j'ai rajouté un max de plug là. Hop. Et puis avec le streaming et tout en même temps, vous savez que c'est pas évident. Donc là, je vais éviter que ça craque. Alors ce petit plugin est bien pratique, hein, parce que du coup on est passé en stéréo sur la basse. Vous voyez, sans. Et avec. Alors je vous conseille d'écouter au casque et puis je vous conseille d'être je crois que Twitch est en stéréo et aussi Facebook en stéréo et YouTube aussi en stéréo, hein. Je crois qu'il y a juste Discord qui je crois doit être en mono, je sais pas, dites-moi un petit peu, je vais regarder dans le chat. Ouais, voilà. c'est tout à fait ça en fait, le mono, vu que tu passes par le micro de Discord en fait pour le, ah ben voilà, pour le restream en fait, ça passe en mono et tout le monde disait ben je comprends pas ça, ah ben ouais, voilà, c'est normal. Donc ben alors ceux qui veulent écouter cette leçon de mastering il faut l'écouter sur YouTube, Twitch ou Facebook, mais Discord c'est pas fait pour, hein, effectivement. Merci Alessandro. Ok, donc là, ben, vous vous rendez compte, j'ai travaillé sur ma stéréo. On va écouter, on va comparer avec une autre référence. Je vais prendre par exemple Acid Rave, là, que je mets bien tout à l'heure. Je vais me mettre dans un autre passage d'Acid Rave. Ça te parle. Voilà, on dit que le son est super sur Twitch. Voilà. Alors, j'ai pas fini de vous montrer ce que j'avais commencé là. Vous pouvez donc afficher le spectre, les spectres d'oscillateurs, donc de votre référence et de votre titre. Vous pouvez les superposer. Ça me permet de voir par exemple que je manque de 50 Hz, vous voyez. 50 Hz, je suis vraiment loin. Et puis il y a toute cette zone-là aussi où je suis un petit peu faible. C'est-à-dire entre 250 Hz et 1 kg, quoi. Vous pouvez voir ici la corrélation. Alors c'est la même chose, coloration c'est la phase par fréquence. Donc là vous voyez par exemple, alors j'ai le même problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je manque de bas médium et donc du coup ça se répercute sur la corrélation. Si vous regardez l'image stéréo,
Alors là, c'est super intéressant. Regardez ce qu'on voit. En bleu, je vais descendre un peu, hein, parce que sinon, j'arrive même pas à m'entendre. En bleu, à gauche, ici, vous voyez Street Sound. Donc, c'est mon titre. Hein, c'est ce qu'on entend maintenant, là. Et en orange, jaune, là, c'est donc la référence. Eh bien, regardez ce qui se passe. C'est que là, vous avez la... Plus le signal est stéréo, plus c'est large. Si c'est mono, c'est au centre. Vous voyez, c'est tout fin. Alors, ce qui se passe, c'est que lui, il a fait que la basse, le pied et la basse sont super mono. Vous le voyez ici parce qu'aux alentours de 60 Hz, on a presque une ligne droite. Alors que moi, du fait que j'ai rajouté mon plugin de basse, d'extension de la stéréo sur la basse, je me retrouve à avoir quelque chose qui est beaucoup plus stéréo ici, vous voyez. Et donc, je perds un peu en efficacité sur le pied. Donc, je vais bien vérifier ça. Je vais bien mettre mon pied en mono. Je vais vérifier que mes fréquences sont bien mono aux alentours de 60 Hz, vous voyez. Donc, je reviens sur ça. Donc, je vais mettre mon pied en solo, mes deux pieds. Je vais remonter un petit peu le niveau ici pour vous entendre mieux. Donc là, je suis bien mono. Et ce que je vais faire, c'est que sur... Je vais prendre ici un plugin qui va me permettre de contrôler la stéréo par rapport à la fréquence. Il s'appelle un Stéréo Imager. Alors, c'est dans plugin. Boom. C'est dans celui-ci, le zone 9. Et je vais prendre le truc qui s'appelle Imager. Alors, Imager, je vais le mettre ici dans ma chaîne de mastering. Le voilà. Et donc, je vais lui dire, là, ce qu'on entend en solo, c'est le pied. Je vais lui dire qu'entre 60 Hz et 80 Hz, vous voyez, entre 60 et 80, dans cette bande-là, là, un petit peu plus, parce que sinon, on n'a pas le pied, vous voyez, je vais ouvrir un petit peu. Dans cette bande-là, ben, cette bande-là, il faut vraiment qu'elle soit mono. Donc, c'est la bande 2, vous voyez, qui est ici. Je vais la mettre vers le bas. Et donc là, je suis 100% mono entre 62 Hz et 80 et 100 Hz. Voyez. Donc là, je suis vraiment mono. Le reste, j'y touche pas pour l'instant. J'enlève mon solo. J'enlève mes solos ici. Et donc là, vous voyez. Alors là, vous voyez vraiment ce qui se passe. C'est que le pied frappe vraiment au milieu. Il a plus de puissance parce qu'il est plus en stéréo et ça bave moins sur la stéréo. Alors, tout le reste est en stéréo, les gimmicks, les voix 1, la basse aussi, je l'avais rajouté en stéréo. Sauf que là, maintenant, j'ai décidé que sur cette fréquence-là, comme c'est la fréquence du pied, de la puissance, on n'est que mono. Et donc, on va être plus mono maintenant. Si je reviens un peu sur ça maintenant, vous voyez ici, sur la partie, on a réduit. Et je suis beaucoup moins large maintenant. Et je suis plus présent. Maintenant, il faudrait que je retravaille un peu mon bas médium, qui n'est pas très agréable dans mon mix. Alors là, soit on le travaille dans le mix. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de bas médium dans ce titre-là, parce que c'était un titre qui est très... concentré sur la percussion et sur la montée de la gimmick. Donc le bas médium, je vais peut-être le créer un petit peu sur la gimmick ici, que j'avais déjà beaucoup égalisé. Je vais rouvrir un petit peu ici. Et je vais utiliser un plugin qui s'appelle l'Oral Exciter, enfin qui est l'Ozone Exciter, qui fonctionne un petit peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la sélection de bandes. C'est-à-dire que je vais dire... Voilà, entre 500 et 1 kg, c'est un petit peu là où je manque un peu de consistance. Je sélectionne donc cette bande-là. Ah, c'est plus par là, vous voyez. Et donc cette partie-là, là, je vais ce qu'on appelle l'exciter, c'est exciter. Et je vais faire en warm, c'est-à-dire en ce qu'on appelle chaleur un petit peu, pour que ce soit un petit peu plus chaud. Et donc là, je vais monter ça.
accent. Vous allez voir, presque. Je vais faire un bypass ici. Bypass. Ok, donc là, ça me permettait de définir ma zone et de pousser ma zone. J'enlève mon solo. J'enlève le solo. Alors du coup, j'ai un peu perdu ma voix là. Les voix de femmes qui sont ici. Donc sur elle, je vais chercher un peu de bas médium. Parce que c'est les fréquences qui me manquent. Je vais réduire un petit peu la reverb. Un petit peu moins de reverb pour que, un peu plus précis quoi. Parce que sinon je la perds quoi. Voilà. On écoute. Vous voyez, on s'est rapproché un petit peu, petite touche par petite touche, parce que je vous rappelle de d'où on est parti. Et si on écoute maintenant, alors évidemment, il y a encore du travail, mais oui. Si j'écoute une partie où j'ai du niveau là, avec la référence. Alors, je suis encore un petit peu, j'allais dire frêle, un petit peu timide, vous voyez ce que je veux dire, mais... Alors là, je vais peut-être pouvoir utiliser ce que je vous ai montré en début, le black box analogue, là, pour augmenter un petit peu ma distorsion. Alors, il faut évidemment que... faut pas baver, quoi, mais... mettre encore un petit peu plus précis parce que là du coup j'ai rajouté un peu de bas médium et ça bave un petit peu, donc je vais être un petit peu précis, plus précis dans mon égalisation ici. Alors pour ceux qui prennent en cours, c'est difficile de vous expliquer, mais on fait une approche de mastering en utilisant justement une technique qui s'appelle AB, comparer une référence avec votre mix. Déjà, on a énormément relevé le niveau, puisque je vous rappelle que quand on a démarré, il y avait au moins 10 dB de différence. Et donc là, on est à un niveau à peu près équivalent à un titre du commerce. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer par rapport à ça
Attendez, je regarde. Ah oui. Alors là, je trouve que l'équilibre encore du pied, il est un petit peu fort par rapport à la musique. Alors pour ça, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Track Spacer. Track Spacer qui, c'est assez simple, hein, je vous l'avais déjà montré, qui vous permet d'aller chercher des fréquences et d'isoler, d'enlever les fréquences. Voilà, alors attendez. Donc je vais dire à chaque fois que le pied, donc on va prendre le sidechain à partir du pied ici. Et donc là, je définis les fréquences que je veux garder. Donc là, je vais garder toutes les fréquences médium. À pouvoir ajouter un tout petit peu de sub. Alors, deux techniques. Pour le sub, soit alors la technique la plus simple, c'est de rallonger, de faire un pied un tout petit peu plus long. Je vous fais écouter. Donc là, vous avez le pied. Donc le pied, je crois que j'ai pris le kick 2, c'est ça. Ouais, c'est ça. Kick 2. Et donc, pour rallonger votre sub, soit vous pouvez remonter votre niveau de sub ici, mais je vous le déconseille parce que vous allez changer tout l'équilibre. Et vous risquez d'être tout le temps en distorsion. Soit vous allez rallonger ici le niveau, la longueur de du decay de votre pied. Je vous montre. Un pied plus sec va vous paraître moins de sub. Écoutez. Bon, là, je fais exprès. Hein. Et voilà. Par contre, si je fais un pied beaucoup plus long, bah, vous entendez beaucoup mieux le sub. Donc, j'étais à 737 millisecondes. Je vais augmenter un petit peu la longueur du pied. Voilà, 800, 100 millisecondes de plus, 90 millisecondes de plus. Et donc, du coup, je vais avoir plus de sub dans le morceau général. Écoutez. Et du coup, j'ai un peu plus de pied. Donc, il va falloir que je réduise peut-être, ou je remonte un petit peu mon groupe ici, musique. Parce qu'après, il faut... On est en limite de distorsion là, donc il faut que je descende un petit peu mon ici, mais vous voyez. Alors, est-ce que je fais mes masters avec les Ear Monitors? Oui, là, je fais mes masters avec les Ear Monitors. D'habitude, je les fais un peu plus avec les enceintes, mais là, je ne peux pas le faire à cause du micro. Voilà, un peu de saturation, c'est pour ça que j'ai baissé. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc j'essaie de vous montrer un peu comment fonctionne le mastering, et puis ça me permet aussi de vous montrer un peu quelques outils que j'utilise un peu au jour le jour. Ok, alors donc, il y a deux choses que je vous ai montré, il y a aussi une chose que je ne vous ai pas montré. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer, qui est sur le plugin AB. Là. Vous savez, en haut, je vous ai montré, vous avez donc le playback, la waveform, vous avez l'oscilloscope, très pratique parce que vous voyez un petit peu les choses qui vous manquent. La corrélation, donc c'est la phase, est-ce que vous avez des sons hors phase et où ça se situe. Votre image stéréo, je vous l'ai montré avec le pied qu'on a resserré ici pour avoir plus d'un. Là, vous avez une analyse de la dynamique globale. Regardez.
Vous voyez que la référence, elle pointait à 4.9, je crois. Et nous, on est assis. Donc, on a fait un bon travail. C'est-à-dire que le niveau général de mon master, là, il est électriquement un petit peu plus fort que ma référence. Bon, pas énormément, mais ça suffit. Et puis, la dernière catégorie ici, c'est le loudness. Donc, la même chose. Alors, vous avez le RMS, le Tropic, le Loudness Range pour savoir où vous allez, et puis l'instantané. Voilà, ça vous permet aussi de contrôler votre niveau général et votre loudness. Alors, vous savez, le loudness, j'avais fait tout un tutoriel juste sur ça. Il faudra que je refasse un parce que j'ai eu beaucoup de questions suite à ça en disant est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regarder quand on fait, par exemple, un mastering pour Spotify. Et ben oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des... ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui va écouter tout votre track et qui fait une espèce de moyenne, ce qu'on appelle la moyenne du RMS, et qui va après appliquer sur l'ensemble de votre track parce qu'il considère que vous avez pendant X secondes un niveau supérieur à, et donc ça descend un petit peu tout. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de regarder ce genre d'outil, parce que ce genre d'outil vous fait regarder le mixage d'une façon différente. Est-ce que vous pouvez bourriner au taquet tout le temps, puis avoir une espèce de square et puis une espèce de zéro dynamique? Et puis quand vous allez écouter votre titre sur Spotify, vous allez dire, mais c'est bizarre, mon titre, il sonne moins fort que les autres. Mais parce que justement, peut-être que vous avez mal contrôlé cette histoire. Avant de prendre quelques questions, s'il y a des questions sur Discord, voilà, je vais vous montrer encore un petit truc. Donc, sur ce plugin AB qui me permet donc de faire une référence, hein, vous savez, entre mon track et un track de référence, vous pouvez ici avoir 4 fois 16 titres. Et donc ici, je vous ai mis deux street sounds qui sont spécifiques, puisque je n'ai pas eu le temps encore, je ne l'ai pas diffusé encore. Ce sont les street sounds qui vont être sur le vinyle. Donc vous avez une version Damien Hendrix, voilà, qui est celle-ci. Je vous fais écouter un petit extrait alors. Donc remix par Damien Hendrix de Street Sound, ça donne ça. Merci pour le petit commentaire. Je vous fais écouter le drop, il est extraordinaire. Donc ça, c'est la version Damien Hendrix qui sera donc sur le vinyle collector de Street Sound. Et j'ai un autre producteur, Moziman, qui m'a fait une version dingue, qui fait 8 minutes, je crois. Je vous fais écouter un petit c'est difficile de faire écouter un petit passage en 8 minutes, mais... je vous fais écouter. Donc ça, magnifique, vous allez voir. Disponible en septembre, hein. La vôtre. Ah, le groove est super. Je vais avancer parce que il a fait des harmonies qui sont magnifiques, vous allez voir. Les harmonies, elles sont magnifiques. Première diffusion, vous l'écoutez en exclusivité, hein.
À la vôtre. Ah, ça me donne la chair de poule, moi. Voilà, ça envoie vraiment. Hein. Donc, ben voilà, c'était une petite émission sur le mastering, en tout cas la façon dont on peut concevoir le mastering. Un conseil quand même que j'aimerais vous donner, parce que j'ai reçu pas mal de titres qui se disaient masterisés. Les logiciels, enfin les plugins comme Ozone, les plugins comme Tirax, qu'est-ce qui existe encore ? Il y en a plein qui font du mastering, vous voyez, qui sont des choses, vous le pluguez sur votre master et ça vous fait compresseur, élargisseur stéréo, exciter, limiteur, voilà. Il y en a plusieurs comme ça, une espèce de bundle où c'est magique, quoi. Vous faites un glisser-déposer, bah, ça marche tout de suite. Alors, c'est un peu une solution de facilité parce que ça va hyper vite. Et ça, je vous l'avoue, c'est vraiment super. Ça marche vraiment très, très bien. Mais par contre, ça n'empêche pas de faire un bon mix. Parce que j'ai vu certains producteurs, je ne donnerai pas de nom, quand vous enlevez ce plugin-là, ça sonne mais tout pourri. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de vous forcer à faire un mix. C'est-à-dire que vous revenez aux fondamentaux, c'est-à-dire que vous utilisez ce plugin à la fin pour améliorer votre mix, mais il ne faut pas que ça soit à la place d'un mix. C'est-à-dire que quand, là, je vais muter, par exemple, tout ce que j'ai sur ma piste master ici. Voilà, je mute tout ça. Et j'écoute mon mix. Non, ça c'est le mix de Mozyman, ça. Vous voyez, je pourrais améliorer le mix déjà. Donc c'est vrai qu'avant de passer au mastering, déjà, il faudrait que je sois vraiment plus satisfait du mix, vous voyez. Mais bien évidemment que le mixage est beaucoup plus important que le mastering. Vous pouvez vous passer de mastering si vous avez fait un très bon mix. Le mastering, ça permet de mettre un niveau, mais globalement, c'est pas quelque chose qui... c'est une solution de facilité pour ceux qui ne veulent pas faire du mix ou qui ont du mal à mixer des titres. Voilà. Parce que vous mettez une espèce de compresseur qui va vous faire une espèce de bouillie. Enfin, de bouillie. Voilà, voilà. Vous avez compris. Mais qui vous fait une espèce de truc comme si vous écoutiez la radio. Et donc, bah, du coup, c'est correct. Mais quand vous bypassez ça, si jamais votre titre s'écroule, alors il faut repartir sur le mix et refaire un mix qui tienne vraiment la route. Et puis, à la fin, vous mettez votre petit finalizer qui va vous augmenter la stéréo. Parce que juste pour vous faire un petit cours d'histoire, parce que je suis un vieux par rapport à vous, il faut savoir que le travail de mastering... C'était la dernière étape avant la fabrication du disque, du vinyle, quoi. Et donc, on passait en studio pour faire le mixage. Le mixage était impeccable. Quand on allait voir le mastering, le master qui faisait le mastering, il ajustait juste le niveau pour que ça rentre sur le vinyle. Et puis, si jamais on était un petit peu trop large, il réduisait un peu la largeur, mais il ne touchait pas aux EQ, il ne touchait pas à la compression. Il faisait juste que reporter ce travail-là sur le support, vous voyez. Depuis, ça s'est un peu mélangé tout ça, parce que maintenant, on travaille tous avec des ordinateurs, vous voyez. Et donc, comme on n'est plus en analo, on fait un peu tout soi-même. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de personne qui, derrière vous, va être la personne finale qui va reporter ça sur un support physique. Parce que de toute façon, il n'y a plus de support physique. Donc, au moins, la chose, elle est simple. Donc, du coup, ça veut dire que cette étape-là, elle a été mise presque à la place d'un mix. Et c'est un vrai problème aujourd'hui dans la production. Et pour vous parler un peu de mon expérience ici aux États-Unis, quand j'ai eu la chance de travailler, par exemple, avec l'équipe... de Will.i.am et de Justin Bieber sur le titre That Power, Will.i.am m'a demandé de venir mixer le titre. Voilà. Et donc, quand je suis venu mixer That Power, je suis allé dans son studio à Los Angeles,
Et il y avait 40 personnes, hein, parce qu'il y avait Justin Bieber, son photographe, son coiffeur, l'assistant presse, machin. Bon, voilà, il y avait beaucoup de monde. Et donc, moi, on m'a demandé de mixer. Mais il n'y avait pas de mastering. Je faisais que le mixage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai pris des éléments de basse. Quand j'ai proposé de changer la basse, il a fallu demander à la personne qui faisait la basse en disant « Est-ce que tu es d'accord si Joachim il change la basse ?» Bon, d'accord, ok. Et puis, il y avait 4 sons de percussion. Quand j'ai dit « Bon, écoutez, il vaut mieux prendre un son de percu plutôt que les 4 », ça, c'était mon job. Mais en tant que mixeur, c'était que le son soit le plus efficace possible et donner à la personne qui allait faire le mastering le moins de travail possible. Voilà. Bon, tout ça pour dire que c'est un travail qui se fait encore en équipe dans certaines configurations. Dans les configurations plus digitales, plus numériques comme aujourd'hui, on fait tout avec son laptop et quelquefois on oublie ce côté mastering. Alors on me demande casque ou enceinte. Alors, ça c'est une très bonne question. Moi je vais vous dire, il faut que vous soyez à l'aise avec votre monitoring. Le titre Street Sound que j'ai fait donc, il y a quelques années. D'ailleurs, je reviens sur la session parce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Mais dans ma sélection AB, ici, j'étais allé chercher le titre original de Street Sound. Vous voyez, ça m'intéressait de savoir comment ça sonnait à l'époque et comment je vais faire un remastering et comment je vais le refaire sonner. Toi. Parce que si c'est pour le faire sonner moins bien, autant ne pas le faire. Voilà. Donc, j'avais gardé la version originale. Donc, c'est ce que je voulais... je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Mais enfin, bon, bref. Maintenant qu'on a tout intégré dans l'ordinateur, je travaille beaucoup avec les Air Monitor ici. Le master de Street Sound, à l'origine, je l'avais fait avec des casques d'iPod. Parce que j'étais en voyage, j'étais en Australie. Je n'avais pas de studio, rien. J'avais fait sur mon ordinateur. Donc... Après, je trouve que les casques Apple sont super, là, les blancs sans fil, les Apple iPod Pro, enfin, je ne sais pas comment on appelle Pro, sont, non, c'est les je ne sais plus, comment ils s'appellent, enfin, les Pro, quoi, la version Pro sans fil, elle est super. Et vous avez aussi un casque Sennheiser de DJ, ça marche aussi très bien, si vous êtes habitué. Hein. Voilà, donc après... Moi, j'adore ça, c'est Ear Monitor, parce qu'ils sont moulés à votre oreille. Ça coûte un peu plus cher, mais vous les gardez à vie. Et pour moi, le son est hyper fidèle à ce que j'entends après, quand j'écoute le titre à la radio, vous voyez. Mais au niveau fatigue auditive, si vous mixez toute la journée, je pense que le mieux quand même, c'est quelquefois d'avoir des enceintes. Là, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ici des barefoot, parce que vous fatiguez moins votre oreille, vous avez de l'air autour de vous dans votre pièce. Voilà, bon bref, après c'est chacun est habitué à son système de monitoring. Bon, allons faire un petit tour sur Discord, on parle mastering et on dit bonjour à Christelle. Salut Christelle, je vais poser une question. Bonjour Christelle. Voilà, on va poser une question à Christelle. On va poser une question à Christelle. Christelle, qu'est-ce que tu penses de l'Oral Exciter par rapport à l'Ozone 9? Est-ce que tu préférais qu'on utilise un black box analogique HD2? Un black box analogique SD2, oui. Ok, parfait. Merci. Elle s'en est bien sortie. Bravo. Applaudissements pour Christelle. Mais qu'est-ce qui se passe, pour la chaleur. Bruno? Mais attendez, je ne comprends pas. Il y a des couples qui se sont séparés, là. C'est quoi? Attendez. Oui. Attendez. C'est quoi ce délire, Bruno? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a fallu que j'aille bosser à Paris, là. Ah, et vous êtes m'a laissé toute seule. Et vous êtes réunis sur le Discord. Oh, c'est trop beau. Oui. Oh, c'est trop beau, mais franchement, ça me fend le cœur. Oh, Joachim. Non, mais c'est vrai, c'est beau, c'est vrai. Regardez, ils sont inséparables, vous voyez. Même le jeudi soir, ils se donnent rendez-vous, un petit rendez-vous sur Discord. Bon, voilà. Bon, tu travailles, Bruno, c'est normal. Ouais, c'est ça. Tu t'occupes toujours des robots? Toujours. Ouais, j'ai dépanné pas mal cette semaine-là. Ah. Et là, du coup, j'ai eu de la chance, j'avais rien ce soir, quoi. Jusqu'ici, j'étais toujours occupé. Ouais, bon, bah écoute, hein. T'as reçu le mix de Christelle ? J'ai reçu le mix de Christelle, on va l'écouter week-end. Alors, donc, c'est elle qui l'a faite, hein ? Mais oui, attends, oui. Non, mais tu m'as envoyé un mix audio, c'est ça ? Je t'ai vénère. Non, tu veux... Oui, le mix.
je t'ai envoyé la vidéo, mais on a vidéo, aussi enregistré l'audio. Très bien, parfait, très bien. Ok. Parce que j'avais vu passer l'audio, je disais pourvu qu'il a envoyé la vidéo. Oui, t'as envoyé la vidéo aussi, ok, mais très oui. bien. Parfait, très bien. On va, pour être fier de moi, Joachim, tu vas voir. J'espère bien. Écoute, ce week-end, je regarde les 50 mix, 50 fois 10 D'accord. minutes. Eh oui. Le week-end d'enfer, tu vois. il va falloir plusieurs jours pour regarder tout ça, donc bien évidemment. Bon, Bruno, bon courage pour le travail. Merci. À plus. Salut. Est-ce que quelqu'un a une question sur le mastering? Parce qu'on a quand même, on est un peu sérieux dans cette émission. Je voyais qu'il y avait pas mal de choses dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur le Discord ou tout le monde dort et je peux aller me coucher? Non. Il y avait pas mal de questions, pas mal d'interrogations. Alors vas-y. Je te laisse voilà. ouvrir les micros de ceux qui veulent. Vas-y. Surtout, je pense que tout le monde, en fait, a chacun son, on va dire, sa propre chaîne, je dirais, de mastering, en fait. Chacun va utiliser un peu des plugins ou des choses différentes. Voilà, exactement. Et chacun va faire un peu sa soupe, comme dirait l'autre, et pour que... Je pense que c'est l'artiste, au final, qui va choisir le son qu'il veut, au final. C'est aussi en fonction du style que tu prends, je pense. Voilà, si tu prends du hardstyle et de la house, ce ne sera pas du tout la même chaîne de... Hardstyle, comme dirait... Hardcore. Hardcore. Ou sinon, on n'a qu'à faire du hardcore. La France... Ça, c'est pour Gaël. On la laisse pour Gaël. D'accord. Non, mais bon, c'était blague à part, vous avez raison. Effectivement, en fonction de la musique, vous choisissez votre traitement de son. Mais c'est toujours un peu la même chose. C'est un compresseur, un limiteur, la stéréo. Et puis voilà, quoi. Globalement, il faut que votre titre il sonne bien et propre. Ça. Mais évitez quand même de over-processer. Hein, ceux qui mettent du process dans tous les sens, on a l'impression d'écouter la radio. C'est horrible parce que quand le titre passe à la radio... Tiens, mais je vais vous faire une petite confidence. Tiens, voilà, petite confidence. Il y a un nouveau remix de Maximus qui sort en 2022, dont j'ai fait le mastering. Je l'ai passé sur Radio FG. C'était horrible, le son. J'ai dit, putain, heureusement, j'ai rechangé un peu le mastering, un petit peu moins puissant au niveau over, parce que c'était vraiment trop processé, quoi. Donc, du coup, le fait que c'est moins processé, ben, c'est mieux, quelquefois. Quand vous arrivez avec des fichiers un peu plus naturels, c'est un petit peu mieux, parce que, ben, de toute façon, la radio va vous aider. Après, Spotify, ils ont aussi des traitements de son pour, je vous l'avais expliqué. Donc, tout ça fait que c'est bien de sonner fort. Mais ce n'est pas pour ça que vous sonnerez plus fort sur Spotify, parce que Spotify, il va tout ramener au même niveau, hein, de toute façon. Hein, il pique à moins 1 et il te met tout à 14, quoi, vraiment. Voilà. Mais qu'est-ce que tu appelles overprocessé ? Ah ben, overprocessé, c'est assez simple. C'est quand vous mettez 2-3 compresseurs à la suite, et puis après 2 égaliseurs, et puis après un limiteur. Et bien, enfin, quand vous mettez trop de choses dans votre chaîne, vous allez avoir un son qui est ce que j'appelle trituré. Voilà. D'accord. Et du coup... Ça va casser tout le charme. Du coup, quand ça passe à la radio, comme la radio processe ça, eh ben vous vous retrouvez avec un son qui est une espèce de... Ouais, ça crache. Voilà. Et donc, du coup, moi, c'est ce qui s'est passé l'année dernière quand j'ai joué sur Fun Radio. J'ai joué les titres de l'album de Chris Willis que je suis encore en train de produire. Et quand j'ai écouté le résultat à la radio, je dis à Joachim, mais c'est horrible, beaucoup trop processé, c'est pas bon. Et quand j'écoutais le titre, je le reconnaissais à peine. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, je ne reconnaissais pas ce que j'avais voulu exprimer dans le mix. Donc du coup, j'ai enlevé les processeurs. Et puis voilà, et là on est sur la dernière ligne droite pour justement vous sortir un super album de Chris Willis avec un vrai son, quoi. Voilà. Less is more. D'ailleurs, il y a un DJ qui m'a pris Less is more. Oui, alors Less is more, c'est dans le mix. Hein, parce que dans le mix, vous doutez bien que si vous avez 20 pistes maximum, vous sonnerez mieux que 200 pistes. Quoi, hein, parce que 200 pistes, il y a très peu de chances que si vous mettiez 8 caisses claires, vous entendiez les 8 caisses claires. Il vaut mieux une bonne caisse claire. Et c'est la même chose que je dis pour le mixage. Quand vous faites un mixage et que vous mettez un pied, et puis sur le pied, vous dites « Attends, il manque un peu d'attaque, je vais rajouter un autre pied. » Et puis après, vous dites « Attends, je manque un peu de grave, je vais rajouter du pied. » Non, mais quand vous avez 3 pieds pour faire un seul pied, il vaut mieux avoir un seul son qui est bien, quoi. Et... Alors, tout à l'heure, tu disais pour le pied, on pouvait le rallonger, mais si on en a un mono, qu'on fait comment ? Ah ben, de toute façon, moi, je conseille à en, tout le monde en réel, que le pied hein, je parle. Tu coupes. Oh le con.
C'est pas vrai. C'est un joke. Donc, non, mais de toute façon, le pied, c'est toujours mono, hein, comme la basse. Voilà. Est-ce qu'il y a une date de sortie pour Chris Willis? Non. On va sortir le premier single qui s'appelle It's Crazy, qui a été fini ce matin. Voilà, pour vous dire, voilà, c'est récent. Voilà. D'autres choses? Une petite discussion comme ça? Quel temps il fait chez toi? comme à l'ancienne dans les radios télécommunications là. Comme chez vous. Même pas quand on a la good vibe. F600, F4, 622. Il y a que le kick et la basse que tu mets en mono. Et puis certaines voix aussi, c'est bien. La voix lead, c'est bien quand tu mets la voix lead parce que tu l'as dans la gueule. Parce que quand c'est mono, c'est vraiment là, quoi, tu vois. Au milieu, c'est centré, ouais. Ouais. Et par contre, tu mets les chœurs, le background vocal bien stéréo derrière. Mais si t'as une vraie voix mono, de toute façon, quels sont les éléments qui sont enregistrés en mono? Normalement, tu devrais enregistrer tous les sons en mono, parce que dans la nature, la stéréo n'existe pas, tu vois. Ouais, c'est, bah ouais. Tous les sons sont mono. Voilà, le truc, c'est que nous, on est bien équipés avec deux oreilles qui nous permettent de recréer de la stéréo. Et quand on fait de la musique, on recrée de la stéréo, mais tous les éléments sont mono, hein, voilà. Mais d'accord. Je conseille pour la dance, enfin l'électro et toutes ces choses-là, d'avoir un pied et une basse et certains vocaux en mono et puis le reste en stéréo, quoi. Tout ce qui passe fréquence en mono, quoi. Ben pas basse fréquence, puisque la voix c'est médium, hein, médium aigu, tu vois. Ouais. Ça dépend. Mais mais au moins pour ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'impulsion. L'impulsion, le pied déplacé de l'air, c'est mono, donc c'est le pied, c'est aux alentours de 50 Hz, c'est de 50 à 80 Hz, voilà, globalement. D'accord. Il faut regarder sur un oscilloscope. L'idéal pour un mixage, c'est d'avoir le master à combien? Alors, l'idéal d'un mixage, ben, ça dépend pour qui tu vas faire le mixage. Si par exemple c'est du vinyle, on peut être à moins 6 dB. Si c'est pour Spotify, c'est moins 12 dB. Donc, il faut vraiment faire du descendre. Ouais. Alors, ça paraît bizarre. Tu dis, non, mais je ne vais pas livrer un truc qui sonne si faible. Mais il faut regarder les spécificités, je pense, par distributeur de contenu, enfin, par plateforme. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est assez faible. Hein. Après, moi, les masters ici que j'archive dans mes données, je fais des masters qui sont à zéro, un truc à 0 dB. Qu'est-ce que j'écoute, moi, sur mon téléphone portable ou sur choses comme ça. Et après, je fais un master à moins 6. Voilà. D'accord. Voilà. Et Bitport, il faut combien, Bitport, je crois que c'est moins 6 dB. Il faut regarder. J'avais fait un tableau comparatif dans une vidéo. Je vais vous retrouver la vidéo. Enfin, si vous la retrouvez, la vidéo, postez-la dans le chat, le lien. J'avais fait une vidéo spéciale mastering où j'avais comparé justement les différents masters. Après, voilà, si vous faites un chaque truc à moins 6, c'est super, ça marche. Hein. De toute façon, chaque distributeur a sa propre touche finale, en fait. Ben, les distributeurs, après, ce qu'ils font, c'est ce que je vous ai montré quand j'avais, lors de cette émission, c'est que, par exemple, un titre de jazz bien mixé sonnait plus fort qu'un titre de hard rock. Ce qui est fou, parce que le titre de hard rock était très overprocessé, masterisé, au taquet. Et alors que le truc de jazz avait un peu plus de dynamique. Et avec le traitement de son appliqué par Spotify, qui ramène tout au même niveau, parce que vous avez bien compris que quand vous faites un master pour Spotify ou pour Apple Music, eh bien, sachez que ces plateformes-là, surtout Spotify qui vous livre de la musique en continu 24 heures sur 24, ils veulent, pour éviter d'avoir un procès d'une personne qui dirait « Ah, j'ai écouté Spotify et je suis passé du morceau A au morceau B et le morceau B était trois fois plus fort et ça m'a détruit le tympan et je vous fais un procès, vous me devez 15 millions. » Pour éviter ça, Spotify, ils ont un traitement de son sur tous les fichiers qui sont dans Spotify. Et tous les fichiers dans Spotify ont un maximum qui est défini par Spotify. Et donc, ça veut dire que tous les fichiers, que vous fassiez du hard rock, de la techno, du classique, vous allez avoir le même traitement de son pour que votre maximum ressenti, ce qu'on appelait les RMS tout à l'heure, que je vous ai montré, soit, parce qu'on ne parle pas uniquement d'un volume physique ou d'un volume en dB, là, on parle en ressenti, ce qui est compliqué parce que là, c'est du loudness.
eh bien, ce loudness-là, il est calculé par des algorithmes qui vont donc changer un peu la couleur de votre titre. Si vous donnez trop de processeurs, vous allez avoir donc un traitement plus important qui va être fait sur votre master. Et donc, du coup, vous allez peut-être sonner moins fort qu'un titre qui est moins processé. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair. Et je dans le cours de mastering de l'émission 93. Ah, merci. Voilà, l'émission 93, c'est spécial loudness. Voilà. C'est loudness, mastering, mix and streaming. Je l'ai mis dans le chat. Merci. Ça intéresse. Merci. Ça obligerait presque en fait à faire un mastering pour chaque plateforme différente selon leur ratio. Alors pour Jean-Michel Jarre par exemple, parce que pour Jean-Michel Jarre j'ai eu la chance de travailler sur tous les derniers projets. Le dernier projet qui a été mixé en multicanal et tout ça, il y a plusieurs choses qui ont été faites. On a fait du Dolby Atmos et tout ça aussi. On fait 5 masters, je crois. Il y a 5 masters. Il y a un master vinyle. Il y a un master qui est Spotify, Apple Music, tous les distributeurs de contenu. Il y a un master pour des plateformes comme Qbuzz, c'est-à-dire c'est du 96 kHz, 24 bits, donc c'est un format différent. Et il y a un master qui était différent pour à l'époque, mais ça n'existe plus, mais pour iTunes, parce que iTunes avait deux masters différents. Quand vous fournissiez les titres en streaming, c'était différent que quand vous achetiez le titre et que vous le receviez en MP3. Voilà. Et puis, il y a un dernier master qui est le master multicanal, qui est ce qu'on appelle... comment on appelle ça ? AAC. Non, c'est pas du AAC, mais c'est pour faire de la version plus que la stéréo. Le mot m'échappe, vous allez le retrouver pour moi. J'ai fait une émission spéciale. Atmos. Atmos, c'est pas ça. 360. Dolby Atmos. Non. Le binaural. Binaural. Le binaural. Merci. Binaural. Voilà. Merci Gaël. Binaural, voilà. Et donc on fait 5 masters, voilà. D'accord. Voilà. C'est énorme. Ben oui, bon, enfin, de toute façon, il n'y a pas de grand changement après. Hein. Enfin, si, entre le binaural et tout ça, il y a quand même une journée. Ouais, c'est énorme. Ah, ça, par contre, ça, ouais. Voilà, eh bien, écoutez, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Je vais finir le mastering parce que j'ai commencé, mais je n'ai pas fini, vous avez vu. Et là, ça va me prendre encore 3-4 heures parce que quand j'ai réécouté, là, je ne suis pas assez content de la finalité de ce rework de Street Sound. J'aimerais au moins que ça sonne beaucoup mieux que la version d'origine. Et puis, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour les résultats des deux concours. Et puis, il y aura. Je vous ferai écouter aussi tiens, le Chris Willis la semaine prochaine, hein, parce que le titre sera totalement terminé. Et je vous ferai écouter justement cette nouvelle direction artistique sur ce projet Chris Willis qui a vécu pendant 2 ans de Covid plein de remix différents, plein de positionnements artistiques. Et là, maintenant, je pense avoir vraiment trouvé ce que je voulais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais c'est bon. Est-ce que d'autres personnes ont quelque chose à ajouter sur Discord ou est-ce qu'on peut se retrouver maintenant sur Discord en after party et arrêter exactement. Le streaming rendez-vous en after tout le monde alors mais merci allez à plus tard salut merci ciao. Donc voilà, donc rendez-vous en after sur joachimgarou.com/discord pour ceux qui veulent continuer l'émission a lieu après l'émission, c'est l'émission qui a lieu après l'émission. J'ai même pas eu le temps aujourd'hui de vous diffuser un petit reportage. Je voulais quand même qu'on dise bonjour à Fabrice. Bonjour, je m'appelle Fabrice, 35 ans, 10 ans d'expérience dans le transport. Eh oui, c'était de Fabrice. Il est temps de faire du hardcore. Il est temps de faire du hardcore. Ça n'a même pas réveillé le chien. Il ronfle derrière et voilà. Bon. Moi, ça m'a donné chaud. Bon, les Space Invaders, très rapidement, je vous en ai parlé la semaine dernière. Le remix de Corvan, Take Me, remix sorti. Allez checker ça sur les réseaux. C'est le remix que j'ai eu le plaisir de faire pour lui. Un petit remix un peu old school à la Prodigy.
Et puis voilà, rendez-vous jeudi prochain pour des bonnes nouvelles pour le résultat des deux concours. Je vous remercie encore d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui étaient sur Discord. Merci à tous ceux que je vais retrouver sur Discord pour l'after. Et puis on va se quitter avec une minute un peu zen. Daniel ! We can see it on a dance floor. I can breathe it and I want it more. You can feel it and it's alright. Let it take you to the sunrise. We can see it on the dance floor. You're the reason that I want it all. Let's believe it and we'll both fly. Sink and we'll sink and we'll sink and we'll both fly. Bienvenue à bord, les Space Invaders. Donc rendez-vous jeudi prochain. N'hésitez pas à me faire des Daniel et de m'envoyer ça dans la Dropbox joachimgarot.com/in. Sachez que je diffuserai les meilleurs dans l'émission. Les Daniel, c'est ça. Daniel ! Daniel ! Non. Daniel ! Daniel ! C'est ça. Daniel ! Et c'est ça aussi. Daniel ! Daniel ! Voilà, à vous de faire votre Daniel et de me l'envoyer sur joachimgarot.com/in. À la semaine prochaine. Salut les Space Invaders. Now, we know the truth. Space Invaders are back. Thanks to all humans, aliens, Space Invaders, and other creatures coming on board tonight. The captain. Joachim Garrow hopes you had a safe 3D trip with us, and we hope to see you soon in the spaceship again. Game over. Game over. Game over. Game over. Bon, je vais vous faire une confidence. Ça, c'est une des pièces dans ma soucoupe. Alors j'ai aménagé cette pièce parce que, à cause du virus, il est difficile de recevoir des amis. Alors pour moins me sentir seul, j'ai mis en place des bustes féminins et j'ai collé mon visage dessus. Ainsi, quand je veux faire une conférence et que mes amis ne peuvent pas venir à cause du confinement, eh bien, je le fais quand même, dans cette salle. Et comme ça, je ne suis jamais tout seul. Toujours l'impression qu'il y a des amis avec moi qui me regardent et qui m'écoutent. Alors ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien.